C'est moi. Je m'appelle Abe. J'ai été élu employé de l'année. Hello, bonjour à tous. On se retrouve pour la suite de Oddworld New and Tasty en mode flemmard. Toujours accompagné de l'alcoolo. Ah, salut tout le monde. Lui aussi en train de boire un coup. Tasty en plus. Voilà, sauf que lui c'est du vrai ST, moi c'est de la ST de sous-marque, vous voyez, y a plus d'AST, où est-ce que je vais le chercher? Ah, il a vidé le stock. Je ne citerai pas le magasin. Vous avez le choix entre Carrefour, Auchan, Cora, Leclerc. Ah, y a pas que ça, hein. Y a pas que ça. Voilà. Ou les piscines, non, mais j'en cite plusieurs, c'est pour ça. Et voilà, c'est de la sous-marque, en plus c'est du 1 litre et demi au lieu de 2 litres, c'est dégueulasse, enfin si c'est bon. C'est buvable, mais pas aussi bon qu'un ice. Voilà. Ma bouche est pas aussi grosse que le bouchon, quoi, c'est pas un problème. Sera, mais moi j'ai pas encore mangé, donc je vais manger pendant je te donne des conseils. Voilà. Et ben bon appétit. Chips piment. Ouf. Si je gueule, vous comprendrez pourquoi. Connard. Quoi? Je crois que c'était barbecue, toi. Ah. Non mais, non, pas toi, hein. C'est juste que j'avais le putain de city qui passait devant l'écran. Ça, c'est à goût de piment, pourquoi? Putain, c'est à goût barbecue, ce truc. Tu donnes faim. Bah, faut Ouais. Allez, flemmard. Oh, ça va. D'ailleurs, pourquoi je reste en mode flemmard? J'ai sauvé pas mal de coups, bordel de merde. Il doit mettre plus de stats dans la sauvegarde. Parce que là, dès que t'as, je crois, t'as traître quand tu sauves personne, après t'as flemmard, jusqu'à où que tu sois sauveur, et après Nemesis, j'allais dire une connerie. Je sais plus ce que c'est au fin. À la fin, je sais plus ce que c'est. Bravo! Tu sais, t'as une astuce. Merci, merci. Tu fais exploser, tu déclenches l'alarme en restant accroché au rebord, et le Stig va exploser la mine, mais il va te voir. Oui, bien sûr. Rester accroché juste après qu'il descende. Ouais, non, j'ai été con sur ce coup-là. Il va faire exploser la mine et toutes les mines qui sont à droite. Donc, tout ça sert à rien. Normalement. Ouais. Tu vas voir. Ah non, faut que je le fasse dans l'autre sens. Voilà. Et on se met ici au cas où, forcément. Voilà. C'était The Astuce de Mario Music. Maintenant, il y a toujours de la... Non, tu attires le stock et tu tires le levier en haut, ça désactive les deux barrières. Tu vas voir, ça sert à rien. D'abord tu le stock avec les barrières écrites. Petit, viens là. Petit, viens par ici mon coco. Voilà. Mais qu'il est... Le levier et c'est fini. Ça... En plus j'aime bien parce que quand il se fait électrocuter, ça l'écartèle les jambes là et tout, c'est drôle. Et les trucs que t'as vu aussi. Pareil. Mais pas faux. En fait, ce qui est con, c'est que le levier qui est à gauche ne désactive qu'une barrière sur deux. Logique. Ah bon? Ouais. Là tu reconnais maintenant? Voilà. C'est par ici que tu rentres. Ah oui, ouais. C'est plus logique, Zulag 1, retour à la ferme où Abe passe sa vie, je ne sais pas quoi, ce que j'ai fini. Employé of the year. Yes, c'est moi l'employé du mois. Surprenant, non? Allez, sauve-les, première fois t'as le Shrekul pour de bon. Je compte pas celui-là. Yeah. Un vrai Shrekul. Yeah. Je pourrais mettre entre les deux ici si je veux. Ouais. Mais je suis pas fou. Mais tu peux te déplacer dès que t'as le Shrikel, hein. Ah ouais, putain. Un petit peu. Moi, je savais pas ça. Alors. Oh, on va voir ce qu'ils nous disent. Des conneries. Obtiens le pouvoir du Shrikel en sauvant le nombre de Mudokons affichés sur les portails d'oiseaux orange. Exerce ton envoûtement pour déchaîner. Mais faut que je respire, moi, putain, un Shrikel sur tes adversaires. Ah oui, c'est le même que tout à l'heure, ok. Alors. Ça sert à rien que d'aller là. Tu vas être plus emmerdé qu'autre chose. Parce que au moins, tu sais, quand tu vas prendre la grenade, il n'y aura pas qu'un cycle qui va arriver. Ok, il y a un cycle qui va arriver en haut, mais il y en aura trois qui arrivent d'en bas aussi. Bah, y a personne là. Tu verras. Ok. Bon, je peux quand même y aller ici. Bon, regardons le galérer. Oh, ça va. Bleu. Allez, champion. F5. Non. Oh, ça partait bien, dommage. T'aurais pu redescendre. Hein. Oui, je sais, j'aurais pu. Mais j'ai pas. Vite.
Haha. Ou pas? Mais j'arrive pas en bas. Là il faut que tu tires le levier d'abord. Mais là il faut que tu te débarrasses d'en haut. Oui je spoil et alors? C'est pas du mauvais spoil. Ouais. C'est que je veux électrocuter la main. Je vais électrocuter là. Attends qu'il passe. Ah oui, on va attendre. Ouais. Oula, j'aime bien le slig à gauche là, ça fait un peu. Ouh, la double. Oh dommage, j'ai failli avoir mon 2 en 1. Je suis un peu vert là, je. Ah bah il le touche pourtant. Ah non. Le pire c'est que c'est un slig intelligent quoi. Voilà. Hop. Eh, je peux le désactiver quand il est en train de se faire électrocuter, non? Ouais. Ok, draw. Il meurt quand même. Piti piti. Remontons jusqu'ici. Ouais, j'avais un doute, je me demandais si ça enregistrait bien, mais oui. Alors, la fin d'un proche, faire le troll, la fin d'Abe ou celle de la ferme. On peut faire le troll aussi en les blind. Ou je te dis sinon... Ah. C'est un fail, on se retrouve tout de suite. C'est merveilleux. Super. Comme ça tu fais des infidélités. À la ST, je précise. Avant c'était à l'origine moi. Ok. Oui, au cas où vous ne seriez pas au courant, on est revenu. Hein. En croisant les doigts pour que ça marche cette fois bien sûr. Au moment il y avait des trucs écrits. Oui, ça marche. Attends, c'est pas dit. Ah. Mais je t'ai dit. Ouais mais je suis rassuré, voilà. J'ai toujours une appréhension comme ça quand ça plante, surtout quand tu sais pas pourquoi. Ouais, mais c'est la partie 13, normal. Oui, c'est la partie 13. Hein, oui, c'est nouveau. Piti piti. Mais non. C'est porté. On peut faire pire qu'au cas il saoule sur le cours, ça ne touche pas du tout l'épisode 7. What the hell. On est en train de l'afficher, le pro. Ouais, faut courir. Direct. Ah, c'est bien fait. Ah oui, oui. Je vais essayer l'autre technique. Quoi, de sauter? Oui. Tu veux déjà faire avoir une fois comme ça. Voilà. Ouf. Je peux pas faire entrer le putain, sérieusement. Non, tu cours simplement. Oui. C'est très bien que dans ce jeu-là, il va tout de suite beaucoup plus vite. Et là, c'est quand même extrêmement surprenant. Quoi. C'est... Non, c'est plus de bruit, donc il se réveille plus tôt. C'est juste que tu cours, ça peut. Ok, toi t'as un bug en ce moment, hein. Et la partie précédente c'est pareil. Non, c'est pas que j'ai un bug, c'est juste que ça va trop vite, je l'ai dit. C'est le jeu qui... Le jeu va trop vite en fait, c'est de ouf. À certains moments, ce qui fait que c'est très compliqué. OMG. Elle montre ça aux développeurs en faisant normalement, tu verras. Ils vont t'envoyer un autre exemplaire de l'intestin gratuit. Ah, je pose des questions quand même là parce que c'est quand même bizarre. Non mais moi non, sauf que pas. Je sais pas moi, si moi je me fais niquer, tu fais niquer. Moi je cours simplement. Lâche pas le bouton. Ah merde. Ah ça aurait été trop beau mais... Ah mais je suis con. Ben oui. Ouais. Ben oui. Eh merde, il y en a un qui a survécu forcément, connard. Non mais t'as oublié que tu pouvais actionner en pleine course un levier, pas obligé de t'arrêter à côté. Voilà. Et faut qu'il y ait un putain de slug qui traverse son corps, bordel de merde. C'est pas possible. Ah, sur le troisième, il est mort. It's fail time, comme dirait Kyle Soul. Ouais, bon, mais je crois que le gagnant entre toi et Kaisoul, c'est Kaisoul, roi des fails. Ah, ça c'est moi là. C'est pas ma faute que le jeu va plus vite, donc forcément il faut avoir de plus de réflexes, donc forcément Kaisoul, lui il est tranquille. Non mais moi, référence à Kaisoul, c'est quoi joli coup, hein. Ah, je suis rassuré. Partie 7, hein, bien entendu, allez voir sa vidéo pour voir le roi du fail. Ah oui, non mais la vidéo 7 de Kaisoul là, c'était épique. Ouais, mais je crois que c'était pas lui qui jouait, je crois que c'était... C'était moi C'était quelqu'un d'autre. Ouais, c'était toi qui jouais, c'était pas Kaisoul.
Ah, pour payer aussi débile que ça. Ah, de base. Mais à chaque fois, tu te loupes. À chaque fois, je me loupe parfois sur les sauts. Voilà, fais-le quand tu veux. Bon. Et hop, et là, on va pouvoir envoûter le slug. Avec tes slugs. Et ben, venez, ramenez-vous. Hein. Ah, voilà. Il y a quand même un qui est intelligent. Ah, ouais, mec. Ah, oh là là, t'aurais pas. Oh, les bâtards. Ah, oui, non, c'est vrai. Si tu renvoies ce Slig comme ça, tu t'occupes de ce que tu droite. Hello. Non, 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 va pas te suicider, j'ai besoin de toi. Oh. C'est bon, oui. Ouais. Ouf. J'ai eu peur quand même. Oh, oui. Attends, j'avais tiré sur le levier. Regardez derrière, on le voit, le 1. Est-ce que tu joues sur manette? Non, je joue au clavier. Ah, je sais pas si on peut... Ah, j'ai compris non, du pas... coup mon truc, voilà. Mais je te l'ai dit. Ouais, j'ai été con sur ce coup-là. T'as toujours été. Oui, merci, mais à ce point-là quand même. Oh là, le premier pote. Dit... Ah oui, non, ça va être marrant comme ça. Le pire, c'est qu'il tient. Mais c'est bien toi du bug avec Abe qui tournait autour après qu'il soit mort. Quoi. Mais tu sais, on les accumule hein, sur ces deux endroits-là. Oula, j'ai toujours peur que ça passe. Oh my OMG. T'as plus rien à faire. Ouf, j'avais peur, j'ai cru qu'il allait exploser. Shrekul or not Shrekul. Ok, donc, allez-y les mecs. Big save. Il a compris. Oh mon dieu, j'ai eu peur de ne pas passer. Tu vas te prendre une coupe. Là je fais une vraie quick save bien sûr. Pourquoi je me mets toujours en ball? Free. I am free. Attends. Bon appétit. Si vous aussi vous êtes en train de manger, bon appétit aussi. Hello, goodbye. Oh le bâtard. Ok, j'ai compris ce qu'il faut faire. Oula, attention. C'est, en fait c'est bugué parce que moi ça me fait jamais non, toucher. Non, j'ai compris ce qu'il faut faire. Par quoi? Tu vas comprendre. Tu vas pas te faire. Je pensais que ça allait le faire, mais... Donc il suffit de faire ça, juste tout simplement. Non mais non. 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 That's impossible. C'est bugué, je vous le dis, c'est bugué. Et ils reviennent en plus, c'est con. Mais t'as rechargé complètement, charge à quick save. Ah voilà. Ok. Et pas chargé à quick save, c'est pour ça. Ah, il vient même pas jusqu'ici ce con en plus. En même temps, t'as des grenades. Oui, oui. Ah oui, c'est vrai. Non, tu sais ce que tu peux faire, c'est au moment... Tu sais quand tu lances une grenade à travers un détecteur, ça fait... Voilà. Voilà. Il m'en reste une, donc j'ai le droit qu'à une seule tentative. Au dernier. Regarde. Ah zut, j'y étais presque. Merci de ton intelligence, Mario. On a déjà fermé une fois. Et bah tranquille. Ouais, sauf que j'ai plus de grenades. Bah ça fait rien, moi je passais sans grenades. Okay. On va en avoir tout à l'heure. Hop. Ah, ah non, t'en... ah quoi que. Oui. On avait peut-être besoin. Ah je pourrais toujours partir par là, c'est pas grave. Ouais. OMG, j'ai un peu peur. Il n'y a rien là. Wow, regardez cette là, zone toujours, toujours aussi impressionnante. Là, il y a un truc. Oh le con, j'ai même pas vu ça. Nombre de morts décapités est à diviser par deux. Oh c'est gore. Oh c'est gore.
C'est gore mais c'est drôle. C'est le world. Ouais, c'est pour ça qu'on les aime. Ah, shit, là où ça aurait été pour moi. Chut. Je dois chercher l'anneau de destruction à côté. Ah ouais. Là tu veux continuer à gauche. Ah bon, on va attendre un peu. Non pas un vieux. Le chaman te donne le... Non, les appelle pas. Pas tout de suite. Quoi? Ok, il me faut un verrou de reconnaissance à Slig. Ok. F5. Bon là par contre il y a encore certains moments ça va vite, mais il y en a non. Nouveauté, crame poumon, les cigarettes. Ah oui, les fameuses cigarettes. Les cigarettes. Tu les aimes toi. Le nombre de morts décapités est à 10. Même les développeurs font des bagues, font des blagues des fois toutes. Ouais. Oh. Souviens-toi avec putain, les bagues qu'on faisait avec les fliches, hein. Il y en a beaucoup, hein. Les fichus, ils vont les reprendre. Les... Oui. Après, bien sûr ton Scarabania aussi, oui. Bon, je vais me mettre ici, voilà, pour être vraiment sûr d'être éloigné de du Slig. Pour éviter le fail débile. Des fois je me fais avoir. Voilà. Voilà. Et là tu l'envoûtes maintenant. Ah oui. On a 3 d'un coup qui arrivent. Ouais, enfin, parce que du coup j'aime le faire décapiter. Forcément, voilà. Même pas t'aurais pu un seul. Non. Mais ils étaient tous les deux dans mon dos. Dans ma main propre. Déjà il reste presque beaucoup de plus beaucoup de chips. Non. Yes. Yes. Et lui là, le Mudokon là-bas tout au bout, il ne peut pas me tuer. Déjà comment a-t-il fait pour arriver jusqu'ici? Des portes sécurisées. Mais qui est con ce garçon. C'est, niveau histoire, c'est après que t'es passé les épreuves, des chamans sont là pour t'aider. Quoi c'est... Ah alors là ça m'aide. Oh yeah. Oh. C'est la partie 13. Voilà, forcément que je fais des conneries. La roue peut tourner. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Les caleçons sont interdits, mais j'ai pas vu quoi. J'ai rien vu, désolé. Les rumeurs sur Shrikule font fausse jusqu'à preuve du contraire. Bien sûr. Ensuite, exercice de tir à venir. Préparez-vous à l'immolation. Du coup, c'est génial. Ah. Bah déjà que quand tu vas dans l'exode Dave, dans le baraquement Slig, les Slig ils s'entraînent sur des cibles de Mudokon. Ouais. Oula, c'est un peu bizarre ces machins, ces verrous Slig là. Moi des fois j'entends pas ce qu'il dit. Même si tu vois le son qui sort de haut-parleur, tu sais... T'as du mal à entendre ce qu'il dit. Ouais. Ouais. Mais si tu sais que quand tu dis eh merde c'est vert et quelle merde c'est bleu, bah tu dois reconnaître. Voilà. Mais c'est un détail. Mais du coup ça nous montre un peu ce qui va être, ce qui va venir dans Oddworld de l'Exode Dave. À l'HD, puisque c'est ce qui est prévu, Oddworld HD. Qui a été annoncé, mais ouais. Je pensais qu'ils faisaient le développement maintenant qu'ils avaient fini de faire l'Odyssée, hein, mais non. Non, ils vont développer en parallèle apparemment. Et vas-y, c'est là que tu peux faire la pub y pour... Il a pas été développé, enfin quoi que si, il reste la version PS Vita et Wii U. Hein. Ouais, enfin, et améliorer la version PS3, je t'en prie, vas-y, dis-le. La version PS3, je vous déconseille actuellement, à l'heure actuelle, de ne pas l'acheter, ou même gratuit, je suis désolé, mais... Non, si gratuit, pas leur gratuit, franchement, ils le font, quoi, voilà. En gratuit, prenez-le, mais vous êtes un peu déçu, déjà niveau graphique, mais aussi parce qu'il y a aussi des bugs. J'arrive pas à passer par Romania parce que la cinématique est buggée, et quand vous faites le jeu la première fois, vous pouvez pas passer les cinématiques. Ah. Génial. Invasion de chauve-souris dans la chaufferie, prudence indispensable. Il y a des chauves-souris sur Oddworld, voilà. Ok. Bah, oui, le, à ce petit Elum, le meilleur casse-croûte de tout Oddworld, et le meilleur casse-couille aussi de tout Oddworld. Oh. Ah. Merci, je suis en forme aujourd'hui. Ouais. Alors, moi, il va me falloir. Non, débarrasse-toi de l'anneau. On va se débarrasser du. Attends.
Qu'est-ce que tu vas faire? Oh mon dieu. Ouais, vaut mieux. Sérieusement. Sérieusement. Il y a un parce que je te un truc à savoir, c'est des fois, tu vois, le portail d'oiseau, il a beau être à 2 mètres de toi, s'il est pas dans l'écran, tu fais l'envoûtement, ça ne marche pas. Il faut qu'il soit à l'écran pour que tu... Tu vois? Alors que ça, là non. Ça va, voilà, c'est bizarre. Là, la conception du... T'en veux pas de ta mère, mais t'es allé exprès pour le cueillir, cette merde. J'ai pas eu le choix. Nuance. Alors, Mamma Flabby, c'est où vous êtes trompé. On va éviter la... Oh, j'ai pas le choix. Oh, zut. Eh oui, on va éviter le fail. Alors, tous ensemble, viandez par ici. Et restez là, je vous en prie. Ouais, d'abord, débarrasse-toi de la mine et désactive la trappe en bas, quoi. Déjà, je pourrais venir ici. Abby, il y aura peut-être un petit truc en bas, là, justement. Ouais. Non, non. Bah, quoi que, je sais pas si tu veux garder le... Ah, au fait, il y aura bientôt le passage secret inédit. Non, on n'y est pas encore. J'ai dit bientôt, j'ai pas dit tout de suite. Ça va saigner. J'ai pas vu quoi, mais ça va saigner. Je sais pas quoi ça tirait parce que dans 2 secondes tu auras aussi le Shrike. Et le Shrike, je te le conseille, dès que tu en as pas... garde-le pour le passage secret. Comme ça t'es tranquille. Évidemment, là il est pas dans l'écran et donc forcément il reste là. Wait. Ouais, au cas où je ferai une connerie. Ouais, mais t'as bien fait. Yes sir. Ok, donc je pourrais en avoir 2 de Shrikul en fait. En 3. 2. Attends, 3, 1, 2. Ouais, non, tu peux en avoir que 2, ouais, parce que... En fait, quand tu sauves 3, après le portail, okay, se transforme en 1, et quand c'est en 1, ça se transforme en 3. Et si... En total, il faut en sauver 7 pour en avoir 3, en fait. Ah. C'est ça. Okay. Donc là, on va essayer de voir ça. Enfin, maximum, c'est 7, et minimum, c'est 3, 7, ou 1, 3, 7. 1 à 3, 1, c'est 5 à 7 en fait. Minimum 5. 5 à 7, non, mais je te permets pas. Oh. Donc. Chez Fair Duff Odd. Bon, je sais très bien que tu vas mourir. Mais. Avant de quitter le secteur, tu sais, avant de rentrer dans le conduit, tu vas mourir. Mais garde le Shrike, s'il te plaît. T'as un conseil, garde le Shrike pour le passage secret. Alors, vu que toi tu les fais jamais, ben oui, tu sais pas quoi t'attends. Et voilà. J'adore. Là, qu'est-ce que c'est que ces bâtards? Oui, tu le vois pas en plus, mais je te l'avais dit d'aller crever. Quoi, je dois non, faire le Shrike là? Au moment où tu montes, tu redescends si tu. Et après tu débrasses de lui au Shrike. Mais non, tu connais pas le glitch, au moment où tu t'agrippes pour aller. Enfin voilà quoi. Tu montes. Voilà. Et tu te débarrasses. Voilà, Shrike que tu... Ok. Voilà. Il est censé rester un Shrike. Et il m'en reste un. Bah... Mais t'as oublié de les sauver. Ah non. Il fallait tous les sauver. Il fallait tous. Bah non, tu vois. Heureusement. Ouais. Et j'ai de nouveau le Shrike. Celui qui vous manque. Heureusement d'ailleurs. Ouais. Non, c'est pour passage secret. Dès que tu rentres, tu l'as encore. Comprendra. Ah oui, quand même, il y en avait un juste à côté là. Ouais. Yeah. Voilà. Voilà, t'es tranquille sur ce côté là. Et juste en bas qu'il faut régler un petit souci. Qu'est-ce que j'ai fait, putain? Non, 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 ne dis rien. Ne dis absolument rien. Je sais pas ce qu'il y a en bas, ne dis rien. Voilà. Souviens-toi de l'astuce, t'en voûtes un et l'autre tu dis de... les autres tu dis sur recroquevillé à l'instant. Ouais, mais faut que je me souvienne de la zone. En bas.
c'est pas la bonne touche. Ok, il tire et il se pionce, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Il tire et après il se met à pioncer. Voilà. Alors, merde, attends. Il touche bas normalement. Voilà, voilà, parfait. Mais des fois j'emboute devant un slig, il me tire pas dessus. Mais il est taré ce slig. Il a des pulsions, c'est impossible. Il shoot quelqu'un, il dort et il se réveille aussitôt pour aller tabasser un Milocon. Non mais sérieusement. Ouais. Sérieusement. Ça, c'est ce que j'appelle. Alors, ah, mais ça aurait été marrant de les buter. Ah, non, j'ai pas fait le con, ça va. J'ai eu un peu peur sur le coup. Toi, ramène ta Fred. Enfin, ta Fred. Sans te parler, bien sûr. Free! Ou pas. Et zoop là, yeah. Bon, alors là, va bien falloir viser. On va descendre un peu. Et on va... Non! L'enfant a coupé, je suis rêvé. Oh yes! Là, ça aurait été marrant, c'est que tu vois, la greffe fait un rebond sur la mine et ça atteint l'autre au fond, quoi. Ça aurait été drôle, ça aurait été drôle. Le pauvre Milocon qui s'est avoué, franchement, ça. Et je sais même plus à combien j'en suis, mais en tout cas, ça avance. Yeah! Mais comment tu as dit, t'en as 9 grenades. Hein? Mode facile, t'en as 9 grenades. Ouais, enfin là, 3 grenades, c'est déjà suffisant, quoi. Attention, Slag! Ma plus. Oh bah, c'est jamais, hein. Avec eux. Ouais, je sais que tu vas en avoir, là, à côté. Tu vas bien en avoir. Je les entends déjà. Déjà, si t'as autant de Slag dans une jeune PSP, qu'est-ce que ça va être dans le baraquement, Slag? Oh, oui. Eh, hey, j'ai la bonne fin, ça y est, 159 000 euros sauvés. Ouais, mais tu vas avoir la super fin, ouais, même si ça change rien. Ouais. Donc là, attention, ça va aller vite. Ah merde. Bravo. Il y a un trou au dessus du paquet de chips, il y en a un peu partout. Comme Abe, voilà, il y en a un peu partout maintenant. Eh, tu sais, un gars fait un speedrun, il finit mieux un PC en moins de 30 minutes. Hein. Putain. Ouais, non, mais bien sûr, triché. On fait pas ça sans... il fait ça sans honneur, hein, parce qu'il fait avec un glitch ou pareil dans les versions d'origine. Tu meurs et les sticks croient que t'es mort et en fait tu peux passer au travers, tu n'as rien à foutre. Ah ouais, tu peux passer à travers les barrières électriques, tu passes à travers les mines, tu passes à travers tout. Hein. Oh putain, c'est dégueulasse. Finalement, là oui, c'est facile. Hein. Et je crois qu'il a fait un glitch parce qu'il a fait juste par Romania. Oh. Il a fait juste un temple et il a accès au Shrike là. Ouais. Putain, alors s'il avait accès à rien, c'était réglé. Il n'y a rien qui prouve que ça a été fait en une seule fois. Hein. Ah oui, quand même, wow. Parce que le glitch, je le connais pas, c'est là. Hmm. Quand même. F5. Parce qu'en fait, il fait une poussée, au moins il revient. Là où il réapparaît, c'est là où il est mort et les trucs de foot parfait en fait. Oh oh. Ah, merde, ça marche pas ça. Bon, tu t'en souviens l'astuce que je t'ai donnée pour te débarrasser des sticks qui apparaissent après le détecteur de mouvement? Avec la grenade? Ouais, bah tu fais pareil. Ok. Directory. Regarde bien le directoire, vas-y appuie sur Zulag 1 s'il te plaît. Enfin, le bas. Remarque, on voit les accès de passage secret. On les voit. Triangle. Regarde bien. Ah non, avec les têtes de Mars, c'est ça? Non. Mais non, regarde. Regarde au tout début. Au tout début, la première écran du jeu, là. Ah oui. Tu vois pas un truc en dessous, là, bien souligné? Ouais, là sur le bord, ouais. Mmh. En effet. Passage secret. On les voit bien, même, ouais. Yeah. Ça s'annonce bien, mes gens. Mais non, Scrabania, on avait un petit indice sur la map. Aussi, oui. Par contre, oula, va falloir que je la joue serrée. Non, tu dis de tout le monde de venir, ils vont pas les déclencher la main. Comme par hasard. Ouais, ouais, voilà. Et maintenant, Quick Save est fait l'opération. Si tu veux, tu peux... Ah non, il en restait encore, au fond. Bon. Non. L'extermination. Ouais, bah là, on n'a pas le choix. Les mecs, ça vous dit un petit suicide? C'est kiff. Oui, c'est un petit, ce n'est qu'un petit suicide. Pas de soucis. Ah, parfait. Das perfect. Il a envie de le faire. Ja. Das gut. Est-ce que tu voudras que je t'épaule pour le DLC aussi?
J'espère que tu seras là pour le DLC, mais... Bah si, si tu fais en deux parties, voilà. Oh, à mon avis, je vais le faire en plus long, plus que ça. Oh, incroyable, ouais, pour une fois, ouais, ouais, pour la première fois dans le jeu, on pourrait mourir ici. Ouais. Bah, je sais pas... C'est impossible dans notre jeu. Il fait une heure à chaque fois, donc il a fait en 3 heures, le jeu. Ouais, mais... Tu vois, les épisodes d'une demi-heure. Vous pouvez pas savoir. Aïe, 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 aïe. Si, 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 je pouvais. Oups. Ah, il y avait un truc marqué avec slog gratuit. Non, ça m'intéressait. Nettoyage requis dans les cuves, insémination. Inséminer qui? Ça faudrait que je revoie dans la capture ce que j'avais dit. Exercice de tyrannie. Préparez-vous à l'immolation. Loué sur les oris. Loué sur les slogs. Oui, free. Ouais, oh putain, ça sent cool. Non, tu sais ce qui m'est arrivé, c'est un truc qui est drôle. C'est que, tu sais, quand je tirais sur un slig, et devant, il y a un... Enfin, derrière, il y a un mille de con. Je tire, le slug, il saute, je tire, et c'est le mille de con qui se prend la balle et pas le slug. Lol. Là, par contre, j'aimais bien, c'est que... C'était écrit... Travailler dur, mourir jeune, et gagner des... et toucher les gros loups. Okay, ça coûte un bras et une jambe. Pouf, dans ton cul. Ah, des conneries, j'en ai rajouté quand même, ça c'est quoi. Oula. Le coutou de les morts décapités ont été divisés par deux. Oh non. Putain, ah oui, il fallait pas. Mais qu'est-ce qu'il est con, putain. Alors remarquez, c'est un cycle d'élite, hein. Il a rien dit. Ouais. Il dit rien quand il te voit, il tire aussitôt. Et il a bien raison. Ça sert à rien de parler. Vu de con. Je ne la comprends. Ah. Le meilleur crash-croûte du tout le monde. Crash-croûte, ouais. Oh, oh putain, elle est nulle mais elle est pas mal. Heureusement que je vous ai dit free les mecs. Bon, moi il suffit juste de se suicider. Tu sais qu'à deux fois t'avais un checkpoint, tu suffisais d'y aller, tu t'es pas emmerdé. Hein. À tout refaire. Ouais, pas faux. Dégage, ouais, mais ça manque de... Ça manque de... La cigarette, justement. Moi qui veux que tu tombes. Qui a cru, hein, vous? Bah moi, une fois j'ai eu un fail débile, c'est que Abe, il a... Tu sais, tout le temps, Abe, il se retient de tomber, tu sais, quand il est au bord d'un... Ouais. D'une plateforme, mais moi, il l'a pas fait. Ah, ok. Il fait plusieurs fois, il l'a fait à chaque fois. Ouf, il était plus rapide que lui. Ah, ça y est, il y en a un qui est intelligent. Ouais, elle va pas dire d'attaquer un ski et d'un de con. Ouais. Parle ici mon coco. Hey boy, hey baby. Oh les, tiens dans ta vue. Mm. Et je pose la question. Ouais. Quelle question? De savoir s'il fallait le tuer ou pas. Yeah. Bah oui. Oh, mais au fait. Je vais le faire tout de suite. Eh ben il a eu du mal à l'ouvrir, pas ça je peux poser la question. J'ai toujours posé une question, c'est, tu sais, les grands ascenseurs là pour continuer là. T'emmènes un mille de coin avec toi, il te suit. Il est enfermé, il oui. Peut pas sortir. Ouais. Ah, tu veux connaître la grande astuce que j'ai sur ce... Sur... Descends les touches, vas-y. Attends. C'est pas possible. Descends les touches. Ils se sont fait un carnage là. Ils se sont fait carnage, putain. Oh. Quoi, j'avais pas compris ce qui se passait. Oh mon dieu. J'avais pas compris ce qui s'était passé. Attends, quick save, fais une quick save après. En fait, ce que tu vas faire, tu vas laisser ton bras à gauche. Attends, regarde le slig à gauche. Ah ouais. Il est en poussée. OMG. Tu veux une... Attends, c'est une astuce que je vais te montrer, tu vas voir. Ah, c'est horrible, sérieux, ce qui se passe. Regardez. Il tape dessus. Non, je vais pas le taper dessus, c'est trop drôle. Ouais. Lui, je vais le tuer. Fais une quick save. Tu vas voir, je vais te montrer l'astuce. Quick save. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur la plateforme de gauche, tu es en route direct. Bah, tu te laisses tomber en bas à gauche. Tu te laisses tomber en bas à gauche et tu es en route direct. En route. Mais t'aurais dû en route. Refais. Mais non, refais. Ah, t'as pas besoin de...
Et en route. Non, deux fois je fais la connerie. Eh ouais. Désolé. Et tu remontes. Je te regarde. D'accord. C'était drôle ça, putain. Je l'ai fait 500 000 fois cette astuce et toi tu meurs direct. Et voilà. Mais qui sont cons. Bon, évidemment pour l'honneur, hein. Ça sert à rien, mais ça va. J'ai remarqué, tu sais, la version PS3 aussi, tu sais ces petits détails où tu vois des orbes de sécurité en arrière-plan alors que ça t'affecte pas. Bah, genre, prends le passage secret de quand t'es dans la zone de tir, bah, elle y est plus, elle a disparu. Oh, ça y est. Ouais, c'est le genre de truc qui met en arrière-plan qu'ils ont dit. Enfin, bah oui, j'ai installé le jeu, il fait que 4 Go sur PS3. Et 20 Go. Il a fallu qu'ils fassent. Ils ont dû faire quelques petites choses quand même, quelques améliorations, c'est normal. Il y en a pas d'amélioration, non, des restrictions. Voilà, ils ont dû retirer des trucs, hein. C'est compréhensible et le problème. Ah, t'as voulu faire. Mais non, t'aurais pas dû. Oh là 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 là, quoi? T'aurais pas dû. Bah, il y a, je sais pas, il y a 500 000 sligues à gauche encore. Ah. Attends. Ah, il est parce que ça va sauvegarder en plus. Bah, et alors, il suffira que je sauvegarde, c'est tout. Que je sauvegarde, que je. Tu l'esquives. Oh, l'esquive du slig. Voilà. Ah, ouais, bah ça va, t'inquiète, c'est facile. C'est pas facile, ça va aller. Ça va, facile. Ça va aller. Quel lancer. Merci. Ben oui, t'es con. Aïe 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 aïe, ben oui. Ah oui, ok, ah oui. Si ça te met ça, c'est forcément pas, c'est pas dans le même secteur. Hein. Allez. Bon là, on va pas les embouter quand même, on est pas con. On va pas perdre de temps. Oui. Ok. Voilà. Voilà, si vous êtes demandé. Bon, au moins, vous voyez, hein. Les Shark State, c'est facile. Non, vous tournez le slig. C'est pas dans le même secteur, c'est encore plus facile. Oula, le son était bizarre. Tout, où il a rien vu. Si on compte en plus la coupure, là, t'es 40 minutes. Oh, il est foutu, le pauvre slig. Youpi, en restait un, hein. Merveilleux. Je pourrais les sauver si je veux. Et ben, je vais le faire. Parce que j'ai pas le choix, c'est la bonne partie. Et il y aura aussi ce passage secret à faire. C'est facile. Ouais, faut pourrais rentrer. On sait pas encore comment ils l'ont réarrangé. Ah ouais, youpi, j'ai droit à un boulet. Non, il fallait qu'il fasse suivre qu'en fait. Enfin, voilà, une petite astuce. Free. Moi j'ai réussi à en mettre 10 d'un coup sur une plateforme de ce genre, et toi t'as à côté. Et oui, lui il arrive à se les enfiler les Mudokons, moi non. Bonne retraite anticipée, c'est mérité. Y'a pas que la retraite qui est anticipée. On va bientôt un truc New and Testy. Un truc, ouais j'adore comme il dit, un truc New and Testy. Bon travail, continuez. Attention. On y est, les que les fins de phrases, c'est bon ça. Ouais. Bon travail, continuez. Oula. Yopi, va falloir faire du 3. Ah zut, je voulais lui shooter en plus. C'est toute ta gueule. Sur PS3, tu sais, il y a plus de brouillard, on va dire, à des jeux. Ah ouais, tu vois presque quasiment pas les tonneaux là, de Winter Farm. Et là, t'en vois beaucoup là. C'est le détail. Eh oui. Ou des affiches de Egg One King, y'en a pas. Ouais, enfin, faut bien qu'il ait fait dit, il faut qu'il fasse des restrictions, quoi. C'est bon. C'est logique que si j'en tue un, l'autre allait répliquer. Même si tu fais le... Hey, y a un truc, il te tire aussi automatiquement dessus si... si tu leur... comme si tu voulais frapper un milieu de combo, tu fais ça sur un slig, en fait. Il te tire dessus. Ah oui, quand même, carrément. Putain, c'est dégueulasse, je peux même pas me soulager. Allez, venez vous.
Voilà, et regardez un peu ce score. Regardez ce score, 187, putain. Il va être aussi temps qu'on se quitte. Ouais, parce que c'est vrai que ça fait un moment. Voilà. Hop. Alors, on va redescendre, comme ça on va se quitter en bonne et due forme. Voilà, hop, on se quitte à l'entrée ici. Écoutez, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci à toi d'être venu. Ouais. On se retrouve dans la prochaine vidéo. On vous fait des gros bisous, enfin, je pense. Ouf. Oui. Ouais. Oui, allez, on vous fait des gros bisous. Au revoir. Salut les viewers.